Bienvenue aux membres de la famille de Dieu dans le monde entier qui espèrent le royaume des cieux. Je suis Hun Zhang de la tribu de Barthélemy de Nouveau-Ciel-Nouvelle-Terre-Shinchenji-Église de Jésus et je serai votre présentateur aujourd'hui. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui participent à cette conférence en ligne de Nouveau-Ciel-Nouvelle-Terre-Shinchenji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Grâce à cette conférence, la réalité des secrets du royaume des cieux que personne ne connaissait est en train d'être transmise au monde. De nombreux croyants du monde entier envoient des messages de joie et de gratitude après avoir réalisé la parole. Nous tenons à remercier toutes ces personnes pour leur soutien. J'espère qu'aujourd'hui sera aussi un temps de grâce pour découvrir le royaume des cieux à travers la parole. Alors avant le témoignage de la parole, nous allons rassembler nos cœurs et prier Dieu le Père. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, merci beaucoup de nous avoir guidés vers la précieuse parole de vie en ce temps important. Nous croyons qu'il y a la vie, la lumière et le pouvoir de créer dans la parole de Dieu. Puisque la parole est Dieu, s'il vous plaît, aidez chacun à devenir de vrais croyants qui plaisent à Dieu en ravivant leur âme intérieure à travers ces précieuses paroles. Aidez-nous à devenir des croyants matures en ayant la foi, la connaissance et les œuvres, en faisant l'expérience de la parole de justice et en mangeant la nourriture solide. Aidez-nous à écouter la parole avec un cœur sincère, honnête et bon, et à la réaliser, afin que nous puissions devenir de vrais enfants qui portent du fruit et plaisent à Dieu. Que le monde entier devienne un avec la parole de Dieu, et que Dieu seul soit glorifié à jamais. En nous faisant devenir une seule famille. Nous croyons que vous guiderez ce temps et nous prions au nom de Jésus qui est la vie. Amen. Amen. Témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. À la suite de la dernière fois, aujourd'hui, nous témoignerons des paroles de la leçon numéro 19 l'époux, l'épouse, la veuve et l'orphelin en parabole. Afin d'entrer dans le royaume des cieux, nous apprendrons la réalité du festin de noces du royaume des cieux, auquel nous devons absolument prendre part, et la véritable signification de l'époux et de l'épouse, de la veuve et de l'orphelin. Aujourd'hui, nous accueillerons l'instructeur Dong-Yon Kim, de la tribu de Barthélemy, qui va prêcher la parole. Bonjour. Tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui vivent leur foi en plaçant leur espoir dans le royaume des cieux, soyez les bienvenus. Je suis l'instructeur du centre Dong Yun Kim et j'ai appris du chef de la tribu de Barthélemy, une des douze tribus de Nouvelle Seine Nouvelle Terre, Shincheonji. Notre chef de tribu a lui même appris du président Manili. Nous invitons sincèrement tous les pasteurs à se joindre à nous en ce moment. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Pendant ce temps, nous allons apprendre ensemble la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon numéro 19, l'époux, l'épouse, la veuve et l'orphelin en parabole. Dans la Bible, il y a l'époux, l'épouse, la veuve et l'orphelin physique. Mais il y a aussi l'époux, l'épouse, la veuve et l'orphelin spirituels par comparaison à ceux qui sont physiques. Jetons un coup d'œil aux choses spirituelles comparées aux choses physiques et aux paraboles des secrets du royaume des cieux. Comme les dirigeants religieux le savent bien, en vivant notre vie de foi, nous attendons Jésus l'époux et voulons l'accueillir. Alors, pourquoi appelle-t-on Jésus l'époux Et savez-vous qui est l'épouse de l'époux Jésus si vous écoutez la parole d'aujourd'hui, vous réaliserez qui sont l'époux et l'épouse, quand et où a lieu le festin de noces de Jésus, et comment faire pour y participer, et pourrait ainsi accueillir Jésus, l'époux. Avant de commencer la conférence, comprenons d'abord le vrai sens des paraboles. L'époux signifie l'esprit. Et l'épouse signifie la chair. La signification de la veuve en parabole est le pasteur qui a trahi et que le Saint-Esprit a quitté. Et l'orphelin en parabole fait référence au fidèle du pasteur qui a trahi. Alors vérifions ensemble à travers la Bible pourquoi de telles réponses. Tout d'abord, regardons l'époux et l'épouse. Lisons ensemble le verset concernant la parabole, Osée 2, versets 19 à 20 ou 21, 22. Israël, c'est pour toujours que je t'obtiendrai en mariage. Pour t'obtenir, je payerai le prix, la loyauté et la justice, l'amour et la tendresse. Oui, je t'obtiendrai par la fidélité, alors tu me reconnaîtras comme le Seigneur. Comme nous l'avons vu dans Osée 2, 19 à 20 ou 21, 22, Dieu a dit je t'obtiendrai en mariage. Alors Dieu est l'époux et la personne à qui il s'adresse est l'épouse de Dieu, n'est-ce pas C'est un mariage spirituel entre l'époux qui est esprit et l'épouse qui est chair. Pour identifier cet époux et cette épouse spirituelle, examinons leurs caractéristiques physiques. La Bible parle de l'époux et de l'épouse spirituelle en utilisant les choses physiques. Premièrement, si l'on regarde les caractéristiques physiques, l'époux et l'épouse se marient et vivent ensemble dans la même maison. Et l'époux donne la semence à l'épouse et l'épouse reçoit cette semence, donne naissance à des enfants et les nourrit. Alors l'époux spirituel est celui qui donne la semence spirituelle, n'est-ce pas? Dans la Bible, la semence en parabole signifie la parole. Alors l'époux est celui qui donne la semence, c'est-à-dire la parole, donc il est l'esprit. Et l'époux spirituel, qui reçoit la parole de la part de l'esprit, l'époux, est donc la chair. Dans Galates 4, verset 19 aussi, L'apôtre Paul se compare à une femme spirituelle. Donc l'épouse signifie le pasteur physique. Le pasteur reçoit la parole de la part de l'Esprit et nourrit les enfants, c'est-à-dire les fidèles, avec la semence de la parole. Regardons l'époux et l'épouse spirituelle dans la Bible à travers ce principe de l'époux et de l'épouse physique. Comme nous l'avons vu dans Osée 2, 21 à 22, la prophétie de l'Ancien Testament, Dieu a dit au prophète Osée, je t'obtiendrai en mariage. Puisque Dieu est dans la position où il obtient en mariage, il est l'époux. Jérémie 31, verset 32 dit aussi que Dieu est un époux. Osée que Dieu l'époux épousera est donc dans la position d'épouse, n'est-ce pas Alors Dieu a-t-il vraiment épousé Osée Si vous regardez Osée 12, verset 10 ou 11, en fonction des versions, Dieu a dit qu'il a donné des paraboles en utilisant les prophètes en parabole. Donc, c'est une personne utilisée en parabole. En d'autres termes, tout comme Dieu a dit qu'il épouserait Osée, Lorsque les prophéties de l'Ancien Testament s'accompliraient, Dieu a promis qu'un homme qui serait comme son épouse, avec qui il se marierait, apparaîtrait. Alors, qui était cette épouse choisie par Dieu et avec qui il était au premier avènement Dans Matthieu 3, verset 16, il est dit que le Saint-Esprit de Dieu est venu sur Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu est l'époux. Donc Jésus qui a été choisi par Dieu et qui était avec lui est l'épouse au premier avènement. Lorsque l'époux et l'épouse se rencontrent, ils se marient et vivent dans la même maison, n'est-ce pas Dans Jean 10, verset 30, Jésus a dit que lui et Dieu sont un. L'Esprit de Dieu a pris la chair de Jésus pour maison et était avec lui. C'était donc un mariage dans lequel l'esprit et la chair deviennent un. Alors, tout comme un époux marié donne la semence à l'épouse, Dieu donnera également la semence de la parole à Jésus, n'est-ce pas? Comme nous l'avons vu dans Jean 17, verset 8, il est dit que Dieu a donné la parole à Jésus. C'était la parole révélée de l'Ancien Testament. Il lui a donc donné la semence spirituelle, n'est-ce pas Alors Dieu est l'époux qui donne la semence et Jésus est l'épouse qui reçoit la semence. Et les disciples qui sont éduqués par Jésus sont les enfants. Pour résumer, Dieu qui est esprit au premier avènement est l'époux et Jésus qui est venu dans la chair est l'épouse. Mais voici une chose à laquelle il faut réfléchir ici. Les Juifs de l'Ancien Testament attendaient Dieu qui avait promis qu'il viendrait sur une nuit rapide. Mais Dieu qui est venu était un esprit, n'est-ce pas Alors comment faire pour rencontrer Dieu qui est invisible Pour cela, nous devons trouver la chair avec laquelle Dieu, l'époux, est, c'est-à-dire l'épouse. Alors comment pouvons-nous savoir que cette épouse est l'épouse de Dieu L'épouse de Dieu est-elle d'une grande beauté Ou avait-elle de bonnes notes à l'école Ou faut-il appartenir à une dénomination célèbre pour être l'épouse de Dieu Ce n'était pas le cas de Jésus. Son apparence n'avait rien pour plaire et il n'appartenait à aucune dénomination. Le fait que Jésus soit l'épouse de Dieu ne pouvait être confirmé que sur la base des paroles des prophéties de l'Ancien Testament. Cependant, les Juifs ne se souciaient pas des prophéties de l'Ancien Testament et ne suivaient que la loi de Moïse. Ainsi, ils n'ont pas reconnu Jésus et l'ont cloué sur la croix, n'est-ce pas? À cause de cela, ils n'ont pas pu rencontrer Dieu, l'époux. Aujourd'hui, nous ne devrions pas faire ainsi, n'est-ce pas Afin de reconnaître la personne envoyée par Dieu, nous aussi, nous devons bien connaître et réaliser la parole de la promesse de Dieu. Alors résumons le mariage spirituel. Le mariage spirituel, c'est quand l'Esprit de Dieu épouse L'esprit dans le corps est fait de ce corps, de cette chair, un foyer, et qu'ils vivent ensemble pour donner naissance aux enfants du Saint-Esprit et les élever. Ensuite, lisons les paraboles de Matthieu 22, versets 1 à 2, pour identifier l'époux et l'épouse au second avènement. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Dans Matthieu 22, versets 1 à 2, il est dit que le royaume des cieux est un festin de noces et que c'est une parabole. Qui est le roi qui donne le festin de noces rapporté dans la parabole Et qui est le fils qui se marie Le roi qui a fait ce festin de noces est Dieu, et le fils qui se marie. Est Jésus. Il est dit que Jésus est le fils qu'on marie, donc il ne revient pas en tant qu'épouse, mais en tant qu'époux, n'est-ce pas Si c'est le cas, cela signifie que Jésus qui revient viendra en esprit. Pour confirmer cela, regardons l'Apocalypse où les prophéties du second avènement sont écrites. Comme nous l'avons vu dans Apocalypse 2 et 3, Jésus qui revient a dit qu'il enverrait des lettres aux messagers de cette église. Dans Apocalypse 2, 18, il a été révélé que cette personne qui a écrit les lettres est Jésus, le Fils de Dieu. Dans Apocalypse 2, verset 29 aussi, il est dit, entendez ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Donc Jésus vient en tant qu'Esprit Saint, n'est-ce pas? Ainsi, au second avènement, Jésus vient en tant qu'esprit, soit en tant qu'époux. Jésus qui revient en esprit choisit un pasteur sur cette terre et travaille avec lui. Alors, ce pasteur choisi est l'épouse qui est avec l'époux Jésus, n'est-ce pas Qui est ce pasteur Dans Apocalypse 3, verset 12, il est promis que Dieu, Jésus et le royaume des cieux sont avec celui qui combat et vainc les Nicolaïtes de Satan qui sont apparus dans l'Église des sept chandeliers d'or décrites dans Apocalypse 2 et 3. Ce vainqueur est le pasteur choisi par Jésus et avec qui Jésus est, donc il est l'épouse de Jésus. Alors le vainqueur... L'épouse de Jésus reçoit la semence de l'époux Jésus, n'est-ce pas Si nous regardons Apocalypse 10, versets 8 à 11, Jean recevant un livre ouvert venu du ciel, c'est-à-dire la parole révélée, apparaît. Ce livre ouvert a été scellé de sept seaux et est dans la main droite de Dieu. Ce sont les paroles de l'Apocalypse de Jean. Jésus a pris cette prophétie de l'Apocalypse de Jean et en a ouvert les seaux. Donc, ce sont les paroles que Jésus a ouvertes. C'est pourquoi c'est la révélation de Jésus-Christ, n'est-ce pas Jean reçoit cette semence de la parole. En d'autres termes, Jésus, qui est l'époux, a donné la semence de la parole révélée à Jean, qui est l'épouse le vainqueur. Pourquoi Jésus a-t-il donné la semence à Jean Pour qu'il éduque les enfants avec les paroles qu'il a reçues. Si nous regardons Apocalypse 22, verset 16, Jésus choisit comme messager Jean, qui a reçu et mangé le livre ouvert, la parole révélée, et lui dit de témoigner aux églises de ce qu'il a vu et entendu. De la même manière, dans Apocalypse 22, verset 17, il nous dit de recevoir l'eau de la vie de la part du Saint-Esprit et de l'épouse. En d'autres termes, le messager de Jésus, Jean le vainqueur, est appelé l'épouse, n'est-ce pas Ce messager de Jésus donne les paroles comme l'eau de la vie aux églises et nourrit ceux qui viennent à la parole en tant qu'enfants de Dieu. Chers auditeurs, nous devons penser à quelque chose ici. Jésus que nous attendons revient sous la forme d'un esprit invisible. Alors comment pouvons-nous rencontrer Jésus s'il est invisible? Ce n'est que lorsque vous trouverez l'épouse sur cette terre que vous pourrez rencontrer l'époux Jésus. Si vous trouvez cette épouse, comment saurez-vous si c'est vraiment l'épouse que Jésus a choisie ou si ce n'est pas quelqu'un qui prétend être l'épouse de Jésus Si c'est la véritable épouse de Jésus, elle doit apparaître comme promis dans l'Apocalypse du Nouveau Testament. L'épouse de Jésus n'enseigne pas en faisant elle-même des recherches sur la parole. Il est dit qu'elle a reçu le livre révélé qui a été ouvert par Jésus de la main de l'ange, comme dans Apocalypse 10, et qu'elle a vu et entendu sur place les événements du livre révélé là où ça s'est accompli. Ne devrions-nous pas vérifier si quelque chose comme ça est arrivé à ce pasteur Si vous ne connaissez pas les paroles de cet Apocalypse de Jean, vous ne pourrez reconnaître ni cette épouse, ni Jésus qui revient. Cette parole révélée est le chemin et l'enseignant qui nous conduit à Dieu, à Jésus et au royaume des cieux, n'est-ce pas Par conséquent, nous devons absolument connaître cette parole du Nouveau Testament et la garder dans nos cœurs. Jusqu'à présent, nous avons vu l'époux et l'épouse appartenant à Dieu, au premier et au second avènement. Cependant, si vous voulez les rencontrer, vous devez vous rendre à la maison du festin de noces, n'est-ce pas Quand on doit se rendre à un mariage et que le mariage était à midi, mais que vous avez oublié et arrivé à 17 heures, alors vous ne pourrez pas voir l'époux ni l'épouse et vous ne pourrez pas non plus manger de plats délicieux, n'est-ce pas par conséquent, vous ne pourrez vous rendre à la maison du festin de noces que lorsque vous connaîtrez l'heure, le lieu et la preuve précise des noces du royaume des cieux. Alors regardons les paroles d'Apocalypse 19, versets 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Dans Apocalypse 19, versets 7 à 9, on voit qu'il y aura le festin de noces de l'agneau lors du second avènement du Seigneur. Ce festin de noces n'a pas lieu n'importe quand. Dans Apocalypse 19, verset 1, il est dit qu'il y a un après cela. Après cela, c'est après les événements d'Apocalypse 18. Dans l'Apocalypse, lorsque les messagers de cette Église choisie par Jésus ont trahi, les destructeurs appartenant à Satan qui les font captifs apparaissent. Dans Apocalypse 18, on juge leur esprit et leur corps. Par conséquent, les noces de l'agneau dans Apocalypse 19 qui auront lieu après cet événement dans Apocalypse 18, c'est le salut même qui a lieu après la trahison et la destruction. Ainsi, au festin de noces de l'agneau, on est en mesure de témoigner de la trahison et de la destruction, n'est-ce pas? On en parle de la façon suivante dans Matthieu 22, verset 4. On dit que mon bœuf et ma bête grasse ont été attrapés et préparés pour le déjeuner en tant que preuve de la maison du festin de noces du royaume des cieux. Le bœuf de Dieu signifie le pasteur de Dieu. Pourquoi dit-on qu'on a attrapé et jugé le pasteur de Dieu C'est parce qu'il a rompu l'alliance et a trahi. Deuxièmement, on a attrapé la bête grasse. Pourquoi cette bête s'est-elle engraissée Est-ce parce qu'elle a trop mangé C'est parce qu'elle a mangé et détruit les fidèles de Dieu comme des brebis. C'est donc le destructeur. Il est dit qu'on l'a attrapé aussi. Alors nous pouvons confirmer que la parole de témoignage qui témoigne des traîtres et des destructeurs sort de la maison du festin de noces. La preuve certaine que c'est la maison du festin de noces de Jésus est qu'on y témoigne clairement de la réalité des traîtres et des destructeurs. Alors où est cette maison du festin de noces aujourd'hui si nous regardons Apocalypse 15, versets 2 à 5, ceux qui ont vu la trahison et la destruction dans Apocalypse 13 vaincront et s'échapperont et se rassembleront dans le Temple du Tabernacle du témoignage. C'est le lieu de rassemblement des témoins qui ont vu et entendu la trahison et la destruction. Donc on peut clairement y témoigner de la trahison et de la destruction, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est dit que c'est le temple du tabernacle du témoignage. Alors c'est précisément la maison du festin de noces avec mon bœuf et la bête grasse. Dans Apocalypse 14, verset 1, il est dit que cette maison du festin de noces est la montagne de Sion. La montagne de Sion est le lieu où l'époux Jésus est venu. Donc c'est la maison du festin de noces. N'est-ce pas? Si l'épouse s'y trouve, alors Jean, l'épouse de Jésus, y est également. Et les 144 000 qui ont entendu les paroles de Jean et ont été moissonnés et scellés sont également à cet endroit. Il est dit que les 144 000 sont organisés selon douze tribus, comme on le voit dans Apocalypse 7. Dieu et Jésus viennent également à ces douze tribus pour devenir un et vivre ensemble. C'est donc le festin de noces de l'Esprit avec la chair. En résumé, la maison du festin de noces du royaume des cieux au second avènement ne peut pas être n'importe quelle église. La vraie maison du festin de noces est l'endroit où est Jésus l'époux, le vainqueur l'épouse, et les douze tribus. C'est l'endroit où les événements de la trahison et de la destruction sont témoignés selon la Bible et la réalité de cet endroit est nouveau celle nouvelle terre, Shinchanji, église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage. C'est la maison du festin de noces de l'agneau promise. Si vous allez dans un endroit autre que la maison du festin de noces du royaume des cieux, même si vous attendez l'époux, vous ne pourrez pas le rencontrer. Si ce n'est pas à cet endroit, on ne peut rencontrer ni Dieu ni Jésus. Ainsi, afin de recevoir Jésus, l'époux que nous désirons ardemment, nous devons aller à la maison du festin de noces du royaume des cieux, promis dans le Nouveau Testament. Cependant, le... Ce tout le monde ne peut pas aller au festin de noces du royaume des cieux juste parce qu'il le souhaite. Des qualifications sont requises pour participer au festin de noces. Dans Matthieu 22, Jésus a dit que même si vous venez à la maison du festin de noces du royaume des cieux, vous serez chassés si vous ne portez pas d'habits de noces. Ce sont les œuvres justes des saints, des fidèles. Par conséquent, nous devons garder la parole et faire des œuvres justes, n'est-ce pas? Dans Matthieu 25 aussi, il est rapporté que ceux qui voulaient accueillir l'époux Jésus n'ont pas pu le faire parce qu'ils avaient leur lampe mais n'avaient pas préparé d'huile. Qu'est-ce que la lampe et l'huile pour accueillir Jésus, l'époux? La lampe est la parole de la prophétie et l'huile est la parole de témoignage des témoins qui témoignent de la réalité de l'accomplissement de la parole de prophétie. Vous devez avoir ceci pour pouvoir accueillir l'époux. Je prie au nom du Seigneur que nous acquérissions parfaitement ces choses et que nous devenions le peuple du royaume des cieux. Nous devrions participer au festin de noces du royaume des cieux, mais il y a un endroit où nous ne devrions jamais aller. C'est le festin de noces de Satan. Si vous y allez, vous serez jugé. Afin de connaître le festin de noces du démon, nous devons connaître l'époux et l'épouse du démon. Lisons d'abord le verset concernant cette parabole, Apocalypse 18, verset 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Oui, vous avez bien lu Dans la Bible, il y a l'époux et l'épouse appartenant à Dieu, mais nous pouvons également vérifier à travers la Bible qu'il y a l'époux et l'épouse appartenant à Satan. Puisqu'il y a l'époux et l'épouse appartenant à Satan, c'est la maison du festin de noces du démon, n'est-ce pas? Voyons où se situe cet endroit selon la Bible, d'abord en regardant au temps du premier avènement. Dans Matthieu 23, verset 33, Jésus a appelé les scribes et les pharisiens des serpents. On dit que le serpent est Satan et le diable. Comme on le voit dans Apocalypse 20, verset 2, n'est-ce pas Ce Satan le diable était avec les scribes et les pharisiens au premier avènement. L'esprit de Satan le diable est l'époux, et les scribes et les pharisiens, avec cet esprit, étaient l'épouse, n'est-ce pas L'époux le diable est avec eux, alors il leur donne la semence pour donner naissance aux enfants du diable et les élever. Comme nous l'avons vu dans Jean 8, verset 44, ce diable est l'époux et dit des mensonges. Les mensonges que ce diable donne sont la fausse vérité, c'est-à-dire la semence de Satan, n'est-ce pas L'époux, le diable, prend comme épouse les scribes et les pharisiens et œuvre à travers eux. Il leur donne des mensonges et les scribes et les pharisiens qui ont reçu les mensonges font des juifs leurs enfants. C'est ce qu'on peut réaliser. C'était le festin de noces du démon au premier avènement. Alors que tout le judaïsme épouse Satan, comment trouver l'épouse de Dieu Il faut distinguer par la semence, c'est-à-dire la parole donnée par l'épouse de Dieu. Lors du premier avènement, l'épouse de Dieu, Jésus, a témoigné de la parole révélée qui est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Vous devez aller à l'endroit qui témoigne des prophéties de l'Ancien Testament et de la réalité qui s'est accomplie pour devenir un enfant de Dieu et aller au royaume des cieux. Inversement, si vous receviez la fausse vérité du diable, vous seriez jugé pour avoir épousé le démon. Alors où est le festin de noces du démon au second avènement? Auquel il ne faut absolument pas participer aujourd'hui. Dans Apocalypse 18, 23, il est dit qu'il y a à Babylone un époux et une épouse. Nous pouvons réaliser que Babylone est la demeure des démons, que l'époux est le mauvais esprit et que l'épouse est le faux pasteur. Il est dit dans Apocalypse 18, verset 2 et 3 que toutes les nations sont tombées à cause d'eux. Qui sont l'époux et l'épouse qui appartiennent à Satan Il y a une prostituée, comme nous le voyons dans Apocalypse 17, versets 1 à 5. Cette prostituée tient le vin de l'impudicité. On dit que toutes les nations sont tombées à cause de ce vin. Le vin de l'impudicité est la fausse vérité de Satan et la semence de Satan. Qu'est-ce que la prostituée la femme en parabole dans la Bible est le pasteur. Ce pasteur n'a pas reçu la semence de Dieu, son mari, mais du diable. Ce n'est donc pas un vrai pasteur, mais un faux pasteur. Et les abominations qui lui sont nées sont précisément les fidèles des faux pasteurs. Il est dit qu'au second avènement, toutes les nations sont détruites par le vin de l'impudicité. Le fait que je figure parmi toutes ces nations, ne devrais-je pas alors penser à quel genre de festin de noces je participe L'Apocalypse nous dit qu'il y a deux festins de noces. Avec les paroles de l'Apocalypse, nous devons vérifier à quel festin de noces nous participons. Cela peut être vérifié par la semence de la parole. Donnée par l'épouse de la maison du festin de noces. Je prie au nom de Jésus que vous trouviez le vainqueur, qui est l'épouse de Jésus, qui donne la parole révélée, et non l'épouse de Satan, qui donne la fausse vérité de Satan, et que vous participiez au festin de noces du royaume des cieux. Ensuite, regardons la veuve et l'orphelin. Voyons d'abord le sens de la parabole de la veuve et de l'orphelin. La veuve est un pasteur qui a trahi, que le Saint-Esprit a quitté, et un orphelin est le fidèle du pasteur qui a trahi. Regardons cela selon la Bible. D'abord, lisons Lamentation 5, verset 3. Nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves. En lisant Lamentation 5, verset 3, il est dit que nous sommes orphelins sans père, ce qui est la définition de l'orphelin. Il est dit que la mère est veuve, donc elle est dans une situation où son époux est parti. Dans la Bible, il y a des veuves et des orphelins physiques, mais il y a aussi des veuves et des orphelins spirituels comparés aux veuves et orphelins physiques. Regardons dans la Bible pour voir ce que sont la veuve et l'orphelin en parabole. D'abord, regardons les caractéristiques physiques. Une veuve est une femme dont le mari est parti et un orphelin est un enfant sans parents. Pourquoi les veuves et les orphelins spirituels perdent-ils leur époux et leurs parents Selon Jérémie 31, verset 32, Dieu a dit qu'il était devenu l'époux d'Israël. Mais l'Esprit de Dieu n'a eu d'autre choix que de les quitter. Pourquoi C'est parce qu'Israël a rompu l'alliance que Dieu leur avait donnée. Non seulement ceci, mais dans Jérémie 3, verset 1, il est dit qu'Israël est devenu la femme d'un autre. Qui ont-ils épousé après avoir quitté Dieu leur époux si vous regardez Jérémie 3, verset 8, cela s'appelle l'adultère, c'est-à-dire l'impudicité, soit l'impudicité spirituelle. Ils n'ont pas reçu la semence de Dieu, mais la fausse vérité, la semence de Satan le diable, et ont suivi l'époux Satan. Ainsi, tous les pasteurs et les fidèles d'Israël ont trahi et sont devenus corrompus, n'est-ce pas Jérémie 3, 14 nous dit qu'ils sont des enfants rebelles et des fidèles qui appartiennent au pasteur qui ont trahi. Nous allons donner la définition de la veuve et de l'orphelin à travers cela. La veuve est le pasteur qui a trahi, que le Saint-Esprit a quitté, et l'orphelin est le fidèle du pasteur qui a trahi. Résumons les points clés et terminons. L'époux signifie l'Esprit et l'épouse signifie la chair. La veuve en parabole est le pasteur qui a trahi que le Saint-Esprit a quitté et l'orphelin fait référence au fidèle du pasteur qui a trahi. Concluons et terminons la parole d'aujourd'hui. Dieu a créé l'homme. La raison était de demeurer avec lui. Cependant, à cause du péché d'Adam, Dieu ne pouvait plus être avec l'homme et il a dû quitter cette terre. Afin d'être à nouveau avec les hommes, Dieu a donné aux Israélites une alliance à travers Moïse, est devenu leur époux et les a guidés. Mais comme Adam, ils n'ont pas respecté l'alliance. Dieu les a quittés. Et Israël est devenu comme une veuve et un orphelin. Alors Dieu a promis de faire une nouvelle alliance dans Jérémie chapitre 31. Le contenu de la nouvelle alliance est la promesse que le festin de noces de l'Esprit avec la chair que Dieu a donné pour son fils Jésus aura lieu lors du second avènement du Seigneur. L'endroit où Dieu et le royaume des cieux qui sont partis reviennent est l'endroit où se déroule le festin de noces de Jésus. L'époux du festin de noces de Apocalypse 19 est Jésus, et l'épouse est le pasteur promis du Nouveau Testament, le messager que Jésus a envoyé pour les églises aujourd'hui. On dit que ce pasteur donne gratuitement, avec le Saint-Esprit, l'eau de la vie à ceux qui ont soif. Je prie au nom du Seigneur, que, comme prophétisé dans l'Apocalypse la Nouvelle Alliance, vous et moi, trouvions l'épouse de l'agneau, écoutions les paroles de témoignage, croyons et participions au festin de noces du royaume des cieux. La prochaine fois, le meilleur instructeur donnera une conférence sur la leçon introduction numéro 20, la guerre entre Jérusalem et Babylone. J'espère que vous participerez et recevrez beaucoup de grâce. Dans le Seigneur, nous sommes un. En ce sens, nous terminerons en clamant vigoureusement ⁇ We are one ⁇ We are one. Nous sommes un. Merci d'avoir écouté attentivement jusqu'au bout. Nous allons prier tous ensemble et finir. Dieu le Père, qui est plein d'amour et abondant en grâce, nous vous remercions sincèrement et vous rendons gloire pour votre grande grâce et votre amour. Nous croyons que Dieu le Père a créé cette terre, mais qu'il est parti à cause du péché d'Adam, et que Dieu est venu sur cette terre pour être avec nous à nouveau et a envoyé Jésus. Père, puisque vous avez dit que Jésus qui revient est l'époux et qu'il vient à notre rencontre, guidez-nous afin que nous puissions allumer la lampe de la parole et participer au festin de noces la remplir d'huile et porter nos habits de noces, afin que nous puissions tous rencontrer Dieu, le Père et Jésus. Père, accordez la réalisation à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants qui écoutent cette parole en ce moment. Guidez-nous afin que nous devenions un dans la parole. Guidez-nous afin que nous puissions tous devenir We Are One et devenir tous le peuple du royaume des cieux avec Dieu le Père. Le monde souffre à cause du coronavirus. S'il vous plaît, guidez-nous afin que le coronavirus se termine bientôt et que nous puissions vivre avec Dieu le Père sur cette terre. Nous rendons grâce et gloire pour tout et nous rendons grâce et offrons cette prière au nom de Jésus-Christ qui est la vie. Amen. La guerre n'a-t-elle donc lieu qu'au second avènement du Seigneur Alors cette parole ne s'applique-t-elle qu'à ceux qui vivent dans la Jérusalem physique Le nom de Babylone était écrit sur son front et c'était un secret. Quelle bête étrange, n'est-ce pas? Alors regardons la réalité de cette guerre au second avènement. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? La prochaine fois, nous vous parlerons de la leçon numéro 20, la guerre entre Jérusalem et Babylone en parabole. J'espère que vous participerez, réaliserez la parole et deviendrez les membres de la famille de Dieu qui entreront ensemble au royaume des cieux. En plus de la parole que vous avez entendue aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes concernant la parole de nouveau ciel, nouvelle terre Shinchenji, veuillez nous contacter au numéro de téléphone affiché à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Pour finir, je rends grâce et gloire à Dieu de nous avoir accordé la parole aujourd'hui, et nous clôturons par la prière que le Seigneur nous a enseignée. Nous allons faire le notre Père ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ceci conclut la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shinchengji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du Royaume des Cieux. Merci d'avoir été avec nous.